Mesdames, Messieurs, bienvenue à la plus grande compétition en ligne du monde, Crack Terminator Online Competition. Mesdames, Messieurs, je suis Greg Dilorgen, je vis aux États-Unis. Je suis le promoteur de Crack Terminator Online Competition. Si vous savez chanter, quel que soit le style de chant que vous pouvez performer, si vous savez rapper, quel que soit le style de rap que vous pouvez performer, et si vous savez danser, quel que soit le style de danse que vous pouvez performer, n'importe quel endroit vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez participer. C'est une grande opportunité pour vous pour atteindre votre objectif. Il suffit d'avoir un smartphone pour faire la vidéo. Premier prix, 1 000 $ US pour le gagnant. Deuxième prix, 600 $ US. Et troisième prix, 400 $. Nous sommes dans la 5e édition de cette compétition et je vais vous expliquer en détail les conditions relatives à la compétition. Autrefois, j'ai l'habitude d'envoyer les conditions par texte aux participants, mais ils ont eu toujours beaucoup de difficultés à comprendre les conditions. Ils étaient en train de poser des questions qui sont déjà bien détaillées, bien expliquées au niveau des textes. Alors, je trouve qu'il est nécessaire de faire la vidéo, d'expliquer en personne les conditions. Donc, je vais les lire et ensuite expliquer après. Ce sera plus facile pour comprendre et ce sera plus simple. Condition 1. La compétition se déroulera sur la chaîne YouTube de la compétition Crack Terminator Online Competition. Le gagnant recevra 1 000 $ US, le deuxième recevra 600 $ US et le troisième recevra 400 $ US. Donc, au niveau de la première condition, il n'y a pas beaucoup de choses à détailler, c'est très très facile à comprendre. Ok? Le premier recevra 1 000 $ US. Le deuxième recevra 600 $ US et le troisième recevra 400 $ US. Condition 2. Choisissez le beat que vous aimez parmi ceux que je vous ai envoyés. Écrivez vos propres paroles dans la langue de votre choix avec n'importe quel titre que vous voulez sur tout le beat. Il devrait avoir 2 ou 3 refrains. Jouez le beat avec un lecteur audio, chantez ou rappez, donc une musique normale, avec votre voix naturelle, sans micro, sans studio. Filmez-vous avec un seul téléphone pour faire la vidéo et envoyez-la moi. La vidéo ne doit pas être modifiée. Vous pouvez placer des personnes autour de vous ou derrière vous. D'autres personnes peuvent vous accompagner aussi en chantant ou en rappant. Maintenant, je vais expliquer ce que j'ai dit. Je vais vous envoyer un ensemble de beats. Ok? Vous allez les écouter un par un. Ensuite, vous choisissez ce que vous aimez. Ok? Maintenant, après l'avoir choisi, vous allez écrire vos propres paroles, vos propres lyrics. Avec le titre de votre choix, vous allez choisir n'importe quel titre sur un sujet quelconque. Ok? Maintenant, vous allez l'harmoniser. Si vous allez chanter, maintenant si vous allez rapper, vous allez faire de même. Vous allez arranger le rythmique pour que ça sonne bien. Si vous rappez. Ok? Maintenant, vous allez vous filmer avec un seul téléphone. Vous pouvez placer des personnes autour de vous, derrière vous. Et si vous avez d'autres chanteurs ou d'autres rappeurs, vous pouvez chanter ensemble. Et donc là, c'est très très clair au niveau de la condition 2. Maintenant, condition 3. Vous disposez d'un délai de 4 jours pour envoyer la vidéo. Le premier jour commence le lendemain du jour où vous avez reçu les beats. Ça, c'est très simple pour vous. Par exemple, si vous recevez les beats aujourd'hui, le jour qui sera considéré comme 1, c'est demain.
Ok, donc à partir de demain, c'est 1, après demain, 2, après demain, 3, 4, etc. Ok, ça c'est la condition. C'est très simple pour moi. Condition 4. Vous devez disposer le téléphone au format paysage. C'est-à-dire, c'est comme si le téléphone était couché. Ok, je vais l'illustrer pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est le format paysage, le format landscape. Condition 5. Vous devez vous habiller et vous coiffer décemment avec de beaux vêtements. Vous devez vous habiller et vous coiffer décemment avec de beaux vêtements. Qu'est-ce que j'en parle? J'ai pas dit que vous devez acheter de nouveaux vêtements. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit non plus que vous allez vous faire couper les cheveux. Ce que je veux dire par là, c'est que parmi les vêtements que vous avez, vous allez choisir les plus beaux pour porter. Aussi simple que ça. Et vous pouvez bien arranger vos cheveux. Pas de les couper ou d'autres trucs. C'est ce que je voulais dire au niveau de cette condition. Alors, j'espère que c'est très clair. Condition 6. Vous devez chercher un beau arrière-plan pour faire la vidéo. Arrière-plan, c'est votre background. Vous devez chercher un endroit attrayant, un endroit joli pour faire la vidéo, pour que ça apparaisse vraiment professionnel. Ok, ça encore, c'est très simple. Condition 7. Si vous ne respectez pas les conditions, il vous sera demandé de refaire la vidéo. Là encore, il n'y a pas trop de trucs à expliquer. Si ces conditions précédentes ne sont pas respectées, il vous sera demandé de refaire la vidéo. Condition 8. Après avoir envoyé la vidéo de la condition, vous ferez une petite vidéo séparément avec des vêtements différents pour vous présenter. Vous direz votre nom, le pays où vous vivez et que vous êtes très heureux de participer à la compétition en ligne Craft Terminator. Ensuite, merci. Ne soyez pas trop long. Okay? Dans les éditions précédentes, beaucoup de participants ont dit beaucoup de trucs vraiment longs. Alors, ne soyez pas trop long. Soyez bref, soyez précis. Ok? Condition 9. Je publierai la vidéo sur la chaîne YouTube de la compétition et je vous donnerai le lien de la vidéo afin que vous puissiez la promouvoir en la partageant sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, etc. pour obtenir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires. Cette condition est très claire et bien passée. Quand j'ai reçu votre vidéo, je vais la publier sur la chaîne YouTube officielle de la compétition Craft Terminator Online Competition. Ensuite, je vais vous donner le lien de votre vidéo afin que vous puissiez promouvoir la performance. Pour trouver, pour gagner, pour avoir beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et aussi beaucoup d'abonnés. Parce que, n'oubliez pas, les conditions en ligne, les vues, les commentaires, les likes sont basiques, sont très importants. Ok? Ce sont eux qui vont vous permettre de gagner. Alors, c'est vraiment clair au niveau de cette condition. Condition 10, c'est la plus importante des conditions. Pour gagner la compétition, vous devez être le participant qui a rempli ces trois conditions en premier, ensemble et en même temps. Si vous manquez une,
vous ne gagnez pas. Je vais la relire. Condition 10. Pour gagner la compétition, vous devez être le participant qui a rempli ces trois conditions ensemble, en même temps et en premier. Si vous manquez une, vous ne gagnez pas. Quelles sont ces trois conditions? Vous devez être le premier participant à atteindre 200 000 vues en premier. Vous devez être le premier participant à atteindre 200 000 vues en premier. La deuxième, vous devez être le premier participant à atteindre les 200 000 likes en premier. Je vais le lire. Vous devez être le premier participant à atteindre les 200 000 likes en premier. Troisième condition. Vous devez être le participant à atteindre les 200 000 commentaires en premier. Donc, pour gagner la compétition, ces trois conditions doivent être atteintes ensemble. 200 000 views en premier, 200 000 likes en premier, 200 000 commentaires en premier. Donc, ça c'est la condition pour gagner la compétition. C'est très clair. Condition 11. Dès qu'un participant a gagné, la compétition se terminera automatiquement. Dès qu'un participant a gagné, la compétition se terminera automatiquement. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a beaucoup de participants qui demandent toujours quand est-ce que la compétition prendra fin. Il y a une date où la compétition a débuté, mais il n'y a pas de date où la compétition prendra fin. Parce que je ne sais pas quand une personne va atteindre les conditions, je ne sais pas quand une personne va atteindre 200 000 views, 200 000 likes, 200 000 commentaires en même temps. Je ne sais pas quand. De même que les ont précédentes. Alors, il y a un participant, dans une semaine, il a atteint les conditions. Et ensuite, il a gagné. Par contre, il y avait d'autres participants qui ont eu 3, 4, 5 semaines, mois, 2 mois, depuis qu'ils ont envoyé leur vidéo, mais ils n'ont pas gagné. Donc, je ne veux pas dire quand est-ce que la condition prendra fin. Donc, la condition prendra fin quand un participant aurait gagné. Quand un participant aurait atteint ces trois conditions. Ok, c'est très clair. Maintenant, condition 12. Pour que le deuxième et le troisième soient éligibles à recevoir leur prix, il faut qu'ils se trouvent dans ces intervalles. S'ils ne se trouvent pas dans ces intervalles, en même temps, ils ne recevront pas de prix. C'est-à-dire, si vous manquez un seul intervalle parmi les trois, vous ne recevrez pas de prix. Condition 12. Pour que le deuxième et le troisième soient éligibles à recevoir le prix, il faut qu'ils se trouvent dans ces intervalles. S'ils ne se trouvent pas dans ces intervalles en même temps, ils ne recevront pas de prix. C'est-à-dire, si vous manquez un seul intervalle, vous ne recevrez pas de prix. Quels sont ces intervalles? 1. Avoir entre 195 000 et 199 000 vues. 1. Avoir entre 195 000 et 199 000. 2. Avoir entre 195 000 likes et 199 000 likes. 2. Avoir entre 195 000 likes et 199 000 likes. 3. Avoir entre 195 000 communs et 199 000 communs. Ok? Avoir entre 195 000 communs et 199 000 communs. Donc, vous devez être dans ces trois intervalles
pour que vous êtes éligible, pour que vous êtes qualifié à recevoir la prime de deuxième place et troisième place. Si vous êtes en dehors de ces intervalles, vous pouvez être deuxième et troisième, mais vous n'allez rien reçu. C'est très, très, très clair. Il faut que vous puissiez bien comprendre. OK? C'est la raison pour laquelle, dans la vidéo, non seulement je lis les conditions, ensuite je les explique. Si vous êtes en dehors de ces conditions, vous n'êtes pas éligible à recevoir la prime de deuxième et troisième place. N'oubliez pas, la condition prend la fin quand quelqu'un a gagné. Donc, dès que quelqu'un a gagné, automatiquement, je vais regarder pour voir est-ce que le deuxième participant et le troisième participant sont dans ces intervalles. C'est pas que je vais attendre pour que vous puissiez atteindre ces intervalles. Non. Dès qu'il y a un gagnant, automatiquement, je vais regarder aussi où se trouve le participant qui vient tout de suite après, et ensuite le troisième. Il peut y avoir du deuxième et pas du troisième. Il peut y avoir deuxième et troisième. De même, il peut ne pas y avoir de deuxième et de troisième. C'est très, très, très clair. OK? Condition 13. Comment vous recevrez l'argent? Comment vous recevrez la prime? Comme aux éditions précédentes, vous recevrez la prime par méthode de transfert. OK? Par Western Union, or MoneyGram, or d'autres méthodes de transfert. Alors, je ne sais pas dans quel pays le gagnant va se trouver. Alors, je vais communiquer avec lui pour savoir quelle méthode de transfert qui est plus facile pour lui. J'ai bien ces méthodes de transfert. OK? Pas d'autres méthodes. Alors, si vous avez gagné, ne me dites pas de faire ceci, de faire cela. Moyen de transfert. OK? Donc, il peut être Western Union, MoneyGram, WIA, d'autres moyens de transfert. C'est comme ça. Donc, je vais communiquer avec le participant d'abord pour qu'il puisse me dire quel moyen de transfert qui est plus facile pour lui dans son pays. Parce que je ne sais pas encore quel pays va donner le gain. OK? Donc, vous recevrez la prime, vous recevrez l'argent par moyen de transfert. 14e et dernière condition. Pour vous inscrire à la compétition, vous paierez un frais de $15. Pour vous inscrire à la compétition, vous paierez un frais de $15. Vous pouvez le faire par Zelle, par Cash App, par PayPal, par les moyens de transfert, soit Western Union, MoneyGram, etc. Donc, vous devez trouver un moyen d'envoyer les frais d'inscription. Sinon, vous ne pouvez pas participer à la compétition. Donc, merci pour votre temps. C'était vraiment un très grand plaisir. Alors, j'espère que vous gagnerez la compétition. Et pour la édition qui vient, il y aura encore beaucoup plus de prix. Alors, participez, promouvoir la compétition, promouvoir la chaîne YouTube de la compétition. Il sera plus facile pour vous de trouver beaucoup plus de likes, beaucoup plus de participants, beaucoup plus de vues, beaucoup plus de commentaires. Merci, à la prochaine.